terminer, mettre en avant ce que j'appellerais les 7 péchés capitaux de la préfecture du Bas-Rhin. La première chose inadmissible de cette préfecture, c'est la multiplication des obligations de quitter le territoire français, et ceci sans discernement. La deuxième chose qui est inadmissible, ce sont les arrestations en cité universitaire. 3 arrestations en 2 ans, plus éventuellement celles qui n'ont pas été portées à notre connaissance. Ensuite, la préfecture se substitue à l'université dans la définition des critères d'inscription des étudiants dans notre université. Ensuite, on observe que sur les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, les formulaires, de nombreuses erreurs sont établies. Et c'est inadmissible que la préfecture commette des erreurs dans l'établissement du cursus des étudiants. Il y a encore au moins 3 points, il y a une course d'obstacles inadmissible au renouvellement des titres de séjour. On ne peut pas accepter que des étudiants mettent 3 mois, 4 mois, voire plus, pour obtenir un titre de séjour, alors que les délais devraient administrativement ne pas dépasser le mois ou au pire les 2 mois. Tout est fait pour décourager nos étudiants de rester à l'université de Strasbourg, dans notre ville et dans notre pays. Il y a ensuite des défauts d'information graves qui sont commis par la préfecture. On cherche à piéger les étudiants en leur donnant des informations qui sont fausses. On ne les informe pas sur leurs droits. Ils sont obligés d'y retourner, de retourner dans les services préfectoraux 7, 8, 10, 11 fois pour avoir les bonnes informations. Enfin, on observe, ça aussi c'est inadmissible, un refus de plus en plus systématique de délivrance d'autorisation de travail. Les étudiants étrangers doivent pouvoir financer leurs études en travaillant, et aujourd'hui, très massivement, on les prive de ressources, on les prive de sécurité sociale. Il faut que cela cesse